Voici deux hémisphères creuses que je vais poser l'une contre l'autre. Au laboratoire de physique, nous allons, au moyen de cette soupape, créer le vide à l'intérieur, et alors il sera pratiquement impossible de séparer ces deux hémisphères. Déjà maintenant, lorsqu'il n'y a pas le vide à l'intérieur, c'est pas évident de les séparer. Le scientifique et politicien allemand Otto von Guericke faisait une expérience semblable à Magdebourg avec deux hémisphères beaucoup plus grandes. Il les posait l'une contre l'autre, créa grâce à une soupape le vide à l'intérieur et ensuite il attachait plusieurs chevaux des deux côtés. La pression atmosphérique est tellement grande que ces chevaux n'arrivaient pas à séparer les deux hémisphères. Dans le tutoriel suivant, nous allons voir un moyen pour mesurer la pression atmosphérique.